Bonjour à tous et bienvenue sur la Devise TV. On se retrouve pour ce quatrième épisode de Craft the World. Et donc, comme on avait dit, on va s'occuper de l'aménagement, surtout parce qu'on a besoin d'accéder aux armures en cuir. Ah, j'ai encore un lit là qui ne me sert pas à grand chose. Voilà, meublement expert, je crois que c'est ça que je dois débloquer. Voilà, meublement expert, donc lit confortable, grande table, pot de fleurs, armoire à étagère. Voilà, c'est ça, on va en faire une pour pouvoir accéder à tout ce qui est cuir, pour pouvoir améliorer l'armure de nos petits nains. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Travail de la pierre basique, ça c'est quoi? Un pont en pierre. Oui, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut l'atelier. Ouais, il manquait la table la dernière fois. Hop, du sable et du bois. Voilà. L'atelier. Qu'on va venir placer par ici. Si la place. Non, pas la place. Alors on va enlever ce coffre, on va enlever ça, on va décaler la forge et on va essayer de placer l'atelier ici, on va enlever la lampe murale, on va essayer de caler les deux ici, ce serait sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour avancer? Miroir, non, chaise, c'est pas grave, ça fait pas avancer ici. Ça, super, mijoteuse. Mijoteuse, ça on peut faire. J'ai récupéré du charbon. Du coup, on va faire des pots de fleurs. Pourquoi pas? Avec de l'eau. Un petit pot de fleurs pour décorer. Voilà. Le petit fauteuil. Là, il est en train de fabriquer la bibliothèque. Le papier. On va en faire un petit peu. Je ne suis pas certain que ce soit très utile, mais on verra. Un mur en pierre. Ça, par contre, j'en aurai besoin. Il faut de l'eau et du sable. Ah, il me faut toujours l'atelier. Je veux bien que vous vous occupiez de ça, les gars, s'il vous plaît. Ouais, il a fini la bibliothèque. Ça, t'as fini ? On va prendre ça. C'est quoi qu'il a construit ? Armoire à étagère, c'est ça, normalement ? Pourquoi il l'a pas posé dans le... Bon, on va attendre un petit peu qu'il pose ça dans la réserve. On va récupérer la laine. On va récupérer ça. Ok. Alors là, ils ont fait du ménage. Donc l'atelier. Voilà. Et du coup, normalement, je devrais avoir la place de placer la forge à côté. Normalement, ça doit rentrer. Forge, forge. Ici. Voilà, impeccable. J'ai la place de remettre ma lampe ici. Pourquoi pas. Et là, j'en ai plus. J'en ai plus. Éclairage. On va essayer là-dedans, voilà. On va refaire 6. Mettre une ici. Et une là. Et une dans la cuisine, quand même. Il y a quelque chose. On va rajouter une là. D'accord. Je sais pas ce qu'il est fichu de mes... de mon armoire.
Un bouclier, je les avais, je les ai pas posés. On va les mettre là au-dessus de la porte. Voilà. Bienvenue chez les nains, c'est très joli. C'est décoré avec du goût. Peut refaire un peu à manger aussi. Omelette, poisson. On va faire du poisson. Donc avec de l'eau, des feuilles, du charbon. Ça va augmenter un peu la pêche. Je voulais faire des cannes à pêche aussi. Il n'y en a pas assez. Plus il y en a et plus les nains peuvent aller pêcher. Je vais pouvoir en faire qu'une. J'ai manqué de ficelle. Voilà, on va faire une autre, non? Voilà. Qu'est-ce qui me manque? La brique, je peux m'en passer. Les miroirs aussi. Alors, il manque quoi? Ameublement avancé. Armoire à étagère. On va refaire une. Hein. Ah, j'ai plus de planches. Fais-moi au moins 20 planches. On va attendre un petit peu. Du coup, maintenant, j'ai l'atelier. Et je voulais faire quoi avec l'atelier? Je ne sais plus. On va pouvoir refaire des grandes tables. Non, j'ai toujours pas de planches. Tac à tac. Un mur en pierre, voilà, c'est ça. Je pense qu'il va falloir en faire un deuxième atelier à un moment ou à un autre. On travaille de la pierre, faire des colonnades. Pourquoi pas. Pont en pierre, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, je vais manquer de pierre pour avancer sur cette recherche. Livre de bûcheron, livre de nageur, te mettre une torche ici. Récupérer de la pierre, du coup. Récupérer ça. Ah. Voilà. Ah oui, là, c'est pas facile l'accès. On va leur faire un petit pont en bois. Il en restait, je crois, deux. Récupérer tout ça aussi. Ok, il va falloir que je récupère du sable aussi à un moment donné. Récupère un peu à droite à gauche. Là il reste un peu de charbon aussi, il faudra que je récupère. Ok. Et ameublement, on va essayer de finir ça quand même. Ah ben elle est là mon armoire. Je sais pas, j'ai 3h30 à l'amener. Où est-ce qu'on peut la mettre? Dans la maison il reste pas beaucoup de bassin. Là c'est un peu compliqué. Là à l'entrée, non. Là, oui. Devant la table, pourquoi pas. Faut dire que les ateliers ici. Là j'ai pas beaucoup de place. Là, j'ai pas trop de place en plus pour la déco. C'est pas trop grave. Au niveau confort, on est déjà bien. Et on a dit travail de la pierre, non. Donc, je vais m'en manquer par contre d'ameublement.
On va refaire un lit. Faire un lit ou deux. Je pense que ça devrait suffire pour me valider le niveau. Voilà, super. Donc du coup, on a accès au cuir, et ça c'est cool. On va pouvoir faire des armures. J'ai manqué de ficelle, donc je voulais un peu de corde, pardon. 3. On va toutes les faire, hein, de toute façon. Le casque. Trois, quatre. J'ai manqué de cuir. Forcément, hache en acier. Pioche en acier. Ah. Raté. Alors, acier. Acier et bois. On va toutes les faire. Par contre, il va me falloir du cuir. Alors, bottes en cuir, il faut du cuir aussi. Donc pour le cuir, il faut les chasser. J'ai tous ces petits gobelins là qui vont m'embêter. Faut que je trouve, voilà, des animaux. Là, il y en a un. Ça va pas m'apporter grand chose, mais c'est pas grave. Alors, d'autre côté, s'il y en a un peu plus déjà. Là, il y a de la cocotte. On va récupérer aussi le mouton là et là. On va faire un portail. Vous devez fabriquer des objets pour terminer votre technologie. J'ai déjà terminé le. Ah, ouais, d'accord, j'ai déjà terminé. Ouais, avec tout ce que j'ai fabriqué en même temps. Et du coup, j'ai accès aux épées en acier. Super. Super, super, super. Alors. Boule de feu, nouveau sort. Très bien. Épée en acier. Il me faut de l'acier. Acier. Du fer et du charbon. Voilà. On va faire 24. On va tout faire. D'où l'intérêt à chaque fois de récupérer le maximum d'éléments possibles dans le charbon, dans le fer, dans les éléments entre guillemets faciles à trouver. Il faut le faire vraiment au maximum. Alors on va commencer à équiper un peu nos mains. Attends, une hache en acier. Non, non. Pourquoi? Pourquoi une hache en acier? C'est pas grave. J'ai pas un guerrier. J'ai toujours pas de guerrier, c'est une catastrophe. Bah c'est pas grave. Ok, il y en a la moitié qu'on est casque et il y en a la moitié qu'on est armure. Et personne n'a de chaussures. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ils en sont. D'où le portail? On va mettre là. Il va se noyer, quoi. Oui, c'est là le portail. Du coup, ils ont dû me ramener du cuir, je pense. Oui, un petit peu. Alors, l'épée en acier fait 25 de dégâts contre 20 la massue. Donc, finalement, je vais en faire quelques-unes, mais je suis pas obligé de tous les équiper. L'arc long, ben, j'ai pas d'archer. Et le bateau en bois, ben, c'est bien, mais
Je n'ai pas de mage non plus. Donc, donc, il va falloir attendre. Il va falloir explorer un petit peu pour les trouver. Parachute, on s'en fiche. Les bottes. Avant de faire les bottes, on va finir de les équiper quand même. J'aimerais bien qu'ils aient tous des armures. Allez, la corde. Ok. Parce que l'armure, là. Alors, le casque me rapporte 5. Et l'armure 9. Donc à la limite, je préfère, oui, effectivement, qu'ils aient tous des armures. Ok. Équiper. Voilà. Il en manquera 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 3, il m'en manque. Et j'aimerais bien trouver un livre de guerrier. Ce serait sympa. Ce serait très sympa. On va récupérer tout. Tout ce qu'on peut. Là aussi. Là-haut, on a tout fait. Oui, à peu près. On va récupérer tous les échafaudages. On peut creuser là. Là. On va poser l'échafaudage ici. On va poser là. Ce bloc là aussi, celui-là aussi, on va pouvoir commencer à récupérer de l'argent. Là j'ai du charbon, peut-être leur mettre, de quoi monter et descendre ici. Ça éviterait qu'ils se tuent en tombant. Parce qu'on sait qu'ils vont tomber. Hein. Ça c'est quasiment obligatoire. Là aussi j'ai du charbon. Ok, trouver des métaux précieux. Ça c'est parce que j'ai trouvé de l'argent. On m'avait dit qu'il me fallait du cuir. Non mais des zombies quoi, s'il te plaît. Il me faut du cuir. Du coup, ouais, du coup, j'ai plus de... Il n'y a plus de sangliers. J'aime bien attaquer le camp là. Ils sont très très mal placés, ils sont en plein milieu d'une île. Je sais pas... pas tip top. On va dire cherche, mais ça n'a pas trop avancé pour le coup. Décoration là, on s'en fiche. Faut que je fasse du travail de la pierre. Les ponts en pierre, portail amélioré. On va refaire ça. Hein. Voilà. Tant qu'on peut. Ok, pierre. On va essayer d'en trouver. Bon, là, il y en a là. Je sais pas si on va pas se le faire ce donjon. J'ai un peu peur que la porte s'ouvre et de me faire défoncer, mais. On va finir de les équiper quand même avant. On va finir de les équiper. Alors, on va trouver quoi? De l'argent. Ok. Mon équipement.
J'ai récupéré du cuir. Non, ok, plus du tout. J'en ai plus du tout. Et après, c'est casque en acier. Bon, faut que je fasse de l'acier en fait. On va pas trop se lancer sur le cuir. Parce qu'après, on va passer directement à l'acier. Par contre, faut que je fasse des armes. Faut que je fasse des armes. Alors ça va me coûter assez cher. Non, on va faire au moins un arc. Je fasse au moins une épée, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Arc long. Ça, je l'ai fait. À part l'arc et les épées. Un parachute, très honnêtement, je m'en fiche un peu. La meule. La meule. Ça sert à quoi? Augmente l'efficacité de la compétence de l'épéiste. Il me faut de la pierre. Super. On va récupérer la pierre qui est là. Quitte à reboucher après derrière. On va récupérer ça tranquillement. Là, on peut récupérer ces deux-là aussi, peut-être, et celui-là. Là, par contre, j'en ai beaucoup. Je suis pas très loin en fait. Du coup, ouais, on va pouvoir creuser la montagne ici pour récupérer de la pierre. Ça, c'est une bonne idée. Le pont, on va le finir. Il faudrait que je refasse aussi un petit. Essayer d'aplanir un peu tout ça, que ce soit plus facile pour eux. Et peut-être leur mettre un portail aussi, accessoirement. Qu'ils aillent bosser plus facilement. Là, il y a du charbon ou pas? Mais a priori, il y en a. Non, vous en êtes tous les gars. Ah, mais voilà, on a un livre d'archer, impeccable. On va vous mettre une lampe de mineur, j'en ai plus. Je n'en ai plus. De mineur. Ici. C'est tous ces échafaudages là, ça coûte un peu cher quand même. Je vais le mettre là. On va boucher ici. On va creuser là aussi, pas de raison. Du coup, tout ça, j'en ai plus besoin. Alors, le portail s'est ouvert. Où est-ce qu'ils sont, les méchants? Ils sont là. Voilà. Mettre l'appel. Bon, du coup, j'ai plus trop de mana. Je me suis un peu lâché là sur les sorts. Alors, on va équiper. On va choisir un et on va le mettre en archer. Chasseur, ben voilà, très bien. Chasseur archer, c'est nickel. Et du coup, on va pouvoir l'équiper avec l'arc long. J'ai aussi des épées en acier. Voilà. J'ai pas des mineurs. Forgeron, pêcheur, cuisinier. Forgeron, nageur, mineur. Pioche en acier, toi, automatique. Charpentier, bûcheron, hache en acier. Et les autres après pêcheurs nageurs on va les équiper quand même. Qui
De les avoir fait, hein. C'est dommage de les laisser dans l'inventaire. Hein. Autant les utiliser. Chaume d'acier. Voilà. Voilà, on est pas mal niveau équipement. On est plutôt bien. Je pense. Je pense. Bûcheron. 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 Grimpeur, nageur. Nageur. Grimpeur. Voilà. Ok. Là, ils sont équipés. Bon, bah, le feu à l'attaque. L'archer fait bien son boulot à distance. Ah ben voilà. Impeccable. Ils n'auront pas fait long feu. Enlever. L'appel. Est-ce qu'ils sont tous équipés aussi en... Ah non, ils n'ont pas les sacs à dos. Ils n'ont pas tous les sacs. C'est aussi largement occupe. Il y a tellement de choses à faire. Sac. Moi, je peux en faire qu'un. Voilà, je manque de ficelle. Toujours. Toujours les mêmes soucis. On va creuser ça. Creuser ça. Pour récupérer la pierre dont j'avais besoin. On bouchera après. On avait dit que là aussi on arrivait sous la montagne. Un pont ici. Est-ce qu'ils ont assez à manger? Non, plus trop. Pile de pain. D'accord, là la table est très très mal placée. En fait c'est ça qui m'a placé. L'armoire là, ça sert pas à grand chose. Et je pense qu'on va commencer à fabriquer par ici aussi des murs en pierre. J'en ai plein. J'en ai plein plein. Et on va commencer à s'installer par ici. Et on va renforcer tout ça avec de la pierre. Ici pareil, je pense que tout ça va devenir notre maison. On va faire un pont ici. Pêcheur, fiche un pont. On va récupérer du sable. Je vais avoir besoin du mouton. J'ai de la poule. Je crois pas que la poule me donne du cuir, hein. Ça m'étonnerait, mais. Pourquoi pas. On va tester. Si j'y arrive à... Voilà. On perd le sable. Ce qu'ils avaient récupéré. Travail de la pierre basique terminé. Ok, super. Ah ben voilà, tourelle de défense impeccable. Il va manquer de l'huile. Ah, je peux en faire que deux. Ah, c'est parce que je manque de bouteilles. Voilà. Et tourelle du coup. Où est-ce qu'elle se cache? C'est là, je crois. Voilà. Alors, des clous. Un arc basique. Du bois. De la planche.
de l'acier et de l'huile. Voilà, on va faire une. Et on va regarder où on va placer ça. Et du coup, je la placerai bien là en hauteur. Commencer à renforcer un peu ce côté-là de la maison. Enlever ça. La porte. On va corriger tout de suite avant qu'on oublie. Donc, ici on met ça et la porte. Oh. Porte. On met ça. Et on va récupérer les murs en briques. Alors eux vont m'énerver les gobelins, je sais pas pourquoi mais voilà, la nuit arrive. Fortifier la maison, impeccable. On va ils osent pas trop traverser non plus. C'est la nuit, il pleut, on va attendre hein. J'en ai besoin, ce serait bien qu'il essaye de l'attraper. Bon, bon, bon. Alors, tout ça, c'est de la déco. Pareil, j'ai manqué de. Manquer de pierre en fait au final, donc on va essayer d'aller creuser cette montagne là. On va faire un trou par dessous. Comment on va faire ça? Voilà, c'est une petite plateforme, tranquille, en terre. On va leur mettre un portail aussi, en tout cas. Qu'ils aient le temps de travailler, de faire des allers-retours rapides. Ok.
Allez, les bûcherons. On va détruire tout ça. J'aimerais faire des échafaudages. Donc on n'en a jamais assez. Voilà. Là, il y a du charbon aussi. Là aussi. Un demi-heure ici. Là, la place de la torche. Ouais, si je faisais un pont en fait, c'est plus simple. Qu'il fasse tout le tour. Bon, et puis ces gobelins, il va falloir aller s'en occuper. On va faire un petit pot en bois pour leur faire un passage. C'est pas très cher. Et si je le fais comme. On voit plus rien, évidemment. Non, c'est pas drôle. Bon. Alors là, c'est bien fermé. Je crois que j'ai pas les portes encore très très solides, les portes en acier, etc. J'ai la tourelle par contre, c'est vrai que la tourelle, il faut la mettre là. Voilà, mettre la tourelle. On va mettre un... Voilà, la tourelle fait son job. Alors là il fait jour. Non, on est où? Ok, on va mettre le pot ici. Ici. Voilà, comme ça on peut creuser tout ça.
Alors, on va récupérer de la pierre. On va récupérer tout ça. Bonjour. Ils sont obligés de repartir à chaque fois à la base. On va la remettre sur taille. Et puis, c'est décidé, on s'occupe des... Ça va être le carnage, mais bon, c'est pas grave. Les aider un peu. Je ne plus du tout avoir de mana. C'est la cata. Bon, ça passe. Bon, on récupère plein de matériel. Ça, c'est chouette. Allez, on récupère tout ça. Et puis voilà. On va être bien. Dans 20 minutes, la prochaine vague d'attaque. Là, on continue à récupérer notre pierre tranquille. On se sera pas trop enfoncé dans les profondeurs. Mais bon, c'est pas trop grave. C'était pas vraiment le but aujourd'hui. Je pense qu'au niveau pierre, là, il y a de quoi faire. Enfin des bouquins qui commencent à devenir intéressants. Et du coup, pour le prochain épisode, on va pouvoir s'attaquer à la fabrication d'une tour en pierre. Augmenter un petit peu nos défenses, rajouter des tourelles, de la défense ici, puisque du coup c'est là que ça va être un peu le point faible. Et de ce côté-là, un peu pareil. On va l'attaquer. Et je pense que là, niveau pierre, on va être bien 177. On va pouvoir faire du mur. Voilà. Ça suffira. Et puis, donc comme je disais, prochaine étape, la fabrication d'une tour en pierre et renforcement des défenses. Et puis après, on va vraiment s'atteler à avancer là-dedans. Faut que je fasse encore des choses en acier. Pour atteindre les armures en acier. Et à partir des armures en acier, on va commencer à s'occuper. Là, j'ai pris un peu de retard, c'est aussi sur la pêche. Je peux faire un saut. Flotteur. Faire des poissons grillés. On va rattraper un peu le retard sur l'arbre technologique. On va s'équiper en acier, au moins en armure, au moins quelques-unes. Et puis on va aller visiter un peu ce donjon. Je suis très très curieux là de voir si ce qu'il y a dedans, si la porte va s'ouvrir ou pas. Et moi qui ai besoin de pierre, du coup il y aura moyen d'en récupérer
Plein, plein, plein. Y compris, je crois que c'est de l'argent, ça. J'ai un peu de tendance à confondre les types de blocs. Je crois que c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et continuer l'exploration, surtout pour aller trouver les autres donjons. Petit à petit, tranquillement. Et puis voilà, donc écoutez, je vous dis à la prochaine, tout simplement, on se retrouve pour un prochain épisode sur Crafters World. Allez, ciao ciao!